Bonjour. Bienvenue à Vevey. Nous sommes sur le pavillon de la RTS, au Jardin du Rivage à Vevey, dans le cadre de la fête des vignerons. Et bien sûr, ma première question pour vous, c'est qu'est-ce que c'est pour vous la fête des vignerons? Ou qu'est-ce que c'était jusqu'à hier la fête des vignerons? Au départ, une grande inconnue. Hein. Juste quelques mots que l'on connaît comme ça, mais la magie, la quantité de gens, mais surtout toute cette idée de mettre le peuple sur scène. Et cette idée de mettre le peuple sur scène est quelque chose qui nous attire profondément. On sait que quand le peuple est sur scène, c'est magique. Et puis toute la construction. Donc ça, c'est bien. Et on est très heureux d'être là et de sentir le bouillonnement qu'il y a derrière tout le processus de construction. L'historicité, oui. Le sens qu'a cette manifestation qui célèbre les gens et les gestes de la terre. Quand on parle de la fête des vignerons, on parle souvent d'émotion. Parce qu'effectivement, c'est un bout du patrimoine de cette région, mais de la Suisse. Et on parle tous avec notre cœur quand on parle de la fête des vignerons. Vous n'avez pas encore vu le spectacle, je crois que vous n'avez... Oh, c'est votre premier spectacle de la fête des vignerons. Quelles seraient vos attentes ou votre ressenti avant de le voir ce soir? Pas forcément de ressenti, mais je sais que la poétique de la montagne sera au rendez-vous. La poétique des montagnards, la poétique des paysans, l'humilité des paysans, qui est une valeur essentielle. On n'est pas donc dans une nostalgie, on n'est pas en train de revivifier un truc qui aurait existé. Non, on est en train de célébrer ce qui est certainement le geste les plus modernes, les plus nécessaires. Cet amour de la terre-mère, ce port d'attache. Pourquoi Lioba, chez vous? Pourquoi? Parce que je vous dis, dès qu'on a entendu ce chant, il nous a parlé mélodiquement. C'est pas par hasard qu'il a traversé les âges. Ce chant, en fait, était au départ un chant qui était interprété par les mercenaires suisses quand ils étaient mobilisés par Louis XIV. Et qu'à cette époque-là, ce chant-là était interdit par Louis XIV sous peine de mort. L'armée française s'était rendue compte que quand les soldats, les mercenaires suisses chantaient Lioba, ça déclenchait chez eux une telle nostalgie du pays, un tel mal du pays, qu'ils avaient envie de déposer les armes et de rentrer chez eux. Alors vous imaginez bien que ce chant qui a le pouvoir de faire arrêter les guerres, de dire aux soldats, non, là je rentre chez moi, parce que l'amour du pays est plus fort. Pour nous qui semons la non-violence un peu partout, qui la célébrons un peu partout, qui sont profondément engagés dans cette démarche, c'est un chant dont on s'est rendu compte, mais qu'il avait un pouvoir extraordinaire. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions en 2017. J'étais parmi les 25 000 personnes à Lyon lorsque vous avez chanté Lioba. Vous allez chanter ce soir? On va le chanter, oui. On va le chanter parce qu'il n'y a pas de lieu plus naturel et plus légitime. Alors, quand je vois tout ce qui se dit ici sur ce chant-là, quand je vois combien on sélectionne les gens, combien, je me demande si on est bien légitime. Mais bon, en tout cas, on va y aller avec le cœur et en disant, on a envie d'être de votre cercle ce soir. Et d'y apporter notre note à nous, quoi. Eh bien, alors, je peux vous dire qu'ici, tout le monde y va avec son cœur. C'est une fête dans laquelle nous sommes tous, nous y mettons tous de notre cœur. Vous êtes donc plus que bienvenus et légitimes pour nous faire entendre ces merveilles que vous avez à nous faire entendre tout à l'heure. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup.